dans les films d'horreur, là. Les portes de l'ascenseur, ils ferment. Là, tout à coup, t'as une main qui les fait réouvrir. Là, tout au long des 21 étages, je le sentais me regarder du point de l'œil. Là, je me suis mis à voir la chienne, à m'imaginer toutes sortes d'affaires, là. Lui qui arrête l'ascenseur, qui me saute dessus, puis là, je pense qu'il a voulu me parler. Mais il a donné, genre, une espèce d'impulsion. Puis moi, j'étais au paroxysme de mon scénario de film d'horreur, ça fait que je l'ai frappé. Puis? C'était le fils du boss. Oups! Ben, j'ai cassé le nez. Non, là, tu frappais avec tes souliers orthopédiques? Arrête de m'écœurer avec mes souliers, le gars. J'ai pas le goût, là, de me scraper le dos pour mettre des affaires à la mode. Orphée? Ben, qu'est-ce que tu fais ici? Hey, salut, je suis désolé de venir te déranger chez vous. J'ai essayé de t'appeler, mais c'était tout le temps ta voix vocale. Ah, c'était toi? Ah, excuse-moi, là, je réponds pas quand je connais pas le numéro. Et tu prends pas tes messages non plus? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Pas-tu me poursuivre, là, pour ton nez cassé? Non, justement, je te disais de pas t'en faire parce qu'il est pas cassé. J'ai juste saigné beaucoup, mais ça, c'est normal, j'ai tout le temps du nez. Aïe, je sais pas trop pourquoi j'ai dit ça, là, c'est pas très séduisant. Pas que je veux te séduire, là. Ben, pas que ce serait pas tentant de te séduire, c'est pas ça. Je veux dire, va pas penser que t'es pas attirant. Rien. Rien de plus que de savoir comment t'allais. Ah. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé dans l'ascenseur. Ouais. J'ai fait un genre d'attaque de panique.